calls me. Je me présente, je m'appelle Farida Abid et je suis créatrice styliste pour les petites mains en scène dans le quartier de Bellevue à Nantes. En 2002, j'étais secrétaire comptable pour la maison Peignon, qui était un costumier historique et qui avait 150 ans d'existence sur la ville de Nantes. Donc il y a eu licenciement et à ce moment-là, avec le chef d'atelier, le chef costumier, on s'est dit bah tiens, puisqu'il n'y aura plus de costumier historique dans la région, parce qu'il y en a très grand à Paris, eh bien on peut peut-être prendre le relais par rapport à la demande qui reste. Donc du coup, j'ai créé l'association Les Petites Mains en Scène. À partir de janvier 2007, j'ai passé une strate au niveau pro, c'est-à-dire que je suis rentrée dans le collectif des créateurs professionnels. Et puis surtout, voilà, j'étais styliste pour le magazine Elle en région, Pays de la Loire. Dans l'idéal, en fait, moi, mon rêve, c'est de créer des vêtements thérapeutiques. Des vêtements qui soient au plus près de la personne. Parce qu'aujourd'hui, quand même, à la suite de la mondialisation, à la suite de tout ce qu'on connaît, en fait, aujourd'hui, c'est quoi les magasins? C'est beaucoup, beaucoup de franchises. Et surtout, que des vêtements, des produits qui sont proposés et qui ne correspondent à absolument pas aux besoins des gens. Ce sont des produits qui correspondent aux désirs et aux fantasmes des bureaux de style, aux bureaux de tendance, aux stylistes. Mais c'est quelque chose qui, à aucun moment, de mon point de vue, ne tient compte de l'être humain. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est être capable de créer des collections qui correspondent totalement à la personne, à chaque personne, en fait. Ben, les projets, déjà, pour les petites mains, c'est créer un magasin multicréateur dans le centre-ville de Nantes. Et surtout, l'intervention et la présence de gens issus des chantiers d'insertion. Tout ça, ça tient qu'à une chose, c'est la foi. C'est vraiment de croire en un projet ou de croire en une activité. Voilà, comme on peut facilement placer sa foi dans quelqu'un, et ben là, il s'agit de placer sa foi dans du matériel.